Nous allons passer maintenant à l'étape d'activation de l'édition professionnelle, Professional Edition. Nous devons l'activer. Comment ça se passe? C'est juste quelques étapes. Le petit interrupteur qui est ici, on va le tenir et on va le glisser de l'autre côté. Alors, ça nous dit, in order to ensure that you're fully aware of the potential risk, you need to pass a test. Ils nous disent, afin de s'assurer que vous êtes conscient du risque de ce que vous essayez de faire, vous devez passer un test. On va lui dire, d'accord, I agree, nous voulons passer le test et on dit start now. Et là, il nous donne un test. Alors, vous devez lire les questions, mais pour vous faciliter un peu la vie, la première réponse, c'est B. Vous lisez la seconde question. La seconde réponse, c'est C. Et pour la troisième question, la réponse, c'est B. Ensuite, on clique sur Submit. Et là, vous voyez maintenant, c'est bleu. Professional Edition a été activé. Là, maintenant, nous avons un robot pour lequel on a payé les frais d'activation annuels. On a activé l'édition professionnelle. La prochaine étape, c'est uniquement de connecter notre robot à notre compte Binance. Néanmoins, il y a des informations très sensibles dans Binance. Je vais m'assurer de mettre de fausses informations afin que les informations que vous allez voir ne puissent pas permettre justement de hacker le compte sur lequel je travaille. Parce que justement, malheureusement, il y a plein de hackers là-dehors qui regardent ce type de vidéo afin de copier des informations telles que la clé secrète pour accéder à un compte. Donc, je vais la changer, mais ce qui sera là ne sera pas la clé. Donc, voilà, on va aller maintenant. En fait, on peut y aller à partir d'ici, API binding, parce que c'est la prochaine étape. Nous allons maintenant faire le API binding, ça veut dire la connexion entre le robot et Binance. Si nous utilisions Huobi, on ferait la connexion entre le robot et Huobi.